3 mètres de large. Mètres 340, un Lanz, un John Deere Lanz, une société française de version 302, un 140, un Renault R70 N70 gazogène au bois de combo 20. Un Lanz Bulldog, un Swift diesel, un Alice Chalmer modèle G. Alors, ici on a un Ster, bien large au niveau du moteur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Comme tracteur rond, je ne sais pas. Ici un Field Farmer, un Porsche AB18 diesel à vendre, un Anomag R12, bien. Ici on a un bien joli tracteur que je ne sais pas casser. Là, on a un Renault D16. Donc l'Anomag R12 avec une petite atomiseuse au cul. Le Porsche diesel et son arracheuse à patates ou aussi oignon. À côté, le Field Farmer avec sa charrue en planche qui, je suppose, doit être vigneronne. Et ce tracteur là, dérangeons-nous dessus. Ah oui, oui. Bien joli tracteur. Qui n'a absolument rien. A-t-il une plaque? Ah, ça a l'air d'être un Renault. Mais il a perdu tous médaillon. Et on va finir avec le Vierzon 302. Et regarde au passage le concours de la bourre derrière. Un joli New Holland T510. Et le 2250. Allez, faut encourager ce tracteur. 2250. Avec petit bricolage maison, mais charrue Masseris. Toujours le modèle G, c'est un tracteur un peu catastrophique. Bien. Alors, j'ai montré le principe du gazogène. Ça vient du générateur. Donc déjà, il y a du charbon dans une génératrice et du gaz qui va dans un préépurateur, qui va dans un refroidisseur, qui va dans un épurateur. De là, il y a un ventilo et un moulin mélangeur. Donc, la chaudière, ici, là, le radiateur, maison, l'épurateur, je suppose. Épurateur qu'ils ont dû être montés à l'envers. Ici, le tuyau passe ici dans le moteur pour équiper et le pot d'échappement. C'est ce tout petit truc. Ces tracteurs ont été montés durant la Seconde Guerre mondiale, comme ça. Mais après sortie d'usine. Ici, c'est un vieux Renault. Ah, diesel CRS. Et alors, il a la poulie. Ce qui est chouette, c'est qu'ils sont tous direction assistée.
Les vierzons ou les land bulldogs, ou les land tout court, on les appelait la bouillotte. Ils avaient à l'époque une boule à l'avant qu'on devait chauffer pendant plusieurs heures avant de le démarrer. Donc le 140. La brode, comme moissonneuse, qui est bien longue, qui fait pas même 2 mètres de haut. Et à côté, plutôt derrière, la Massé 510. Barre de coupe 4 mètres, presque 3 mètres de haut. Et en longueur, sans la barre de coupe, ça doit faire 4 mètres. Ah, la brode, il y a un petit espace réservé. Alors que sur la Massé, pas du tout. Il y a juste ici cette trappe. Et on va monter dedans pour voir. Wow. Donc, alors, en haut, vous avez la commande et le volant. Le petit système. Bon, c'est tout et à la prochaine. Ciao ciao. Voici une petite vue avant des JA. À heure. Tous les tracteurs en ligne. Là, la partie concours de la bourre. Par là-bas, toute la zone exposant. Ici, l'expo du vieux tracteur. Et là, tous les fournisseurs en matériel agricole. Bien. Et par derrière le concours de la bourre, il y avait les essais de la bourre pour ceux qui l'ont souhaité. Bien. Tous ceux qui ont raté cette journée, ben tant pis pour eux, mais ils pourront se rattraper les années prochaines. Elles ne seront point à heure, elles se déplacent chaque année. Donc, si vous souhaitez participer à un concours de la bourre, trouvez-vous un moyen pour venir le week-end prochain au PI, ou sinon, vous revenez l'année prochaine. Au revoir.